Bonjour à tous et bienvenue à l'Expresso. J'espère que vous avez passé du bon temps sous le soleil et la chaleur printanière, puisqu'au moment où on enregistre cette émission, on prévoit une vingtaine de centimètres dans notre région, de centimètres de neige, évidemment, dans notre région. Alors, commençons donc avec les communiqués de cette semaine. Les organisations de partout au Québec peuvent s'engager dès aujourd'hui pour la lutte au changement climatique en s'inscrivant à la 5e édition du Défi Climat, la plus vaste campagne de mobilisation pour la lutte au changement climatique au Québec. Cette campagne permet à des centaines d'entreprises, d'institutions et d'organismes du Québec de démontrer leur engagement social et environnemental et devient ainsi une occasion pour plusieurs organisations québécoises d'agir comme leaders et de démontrer leurs initiatives de réduction de gaz à effet de serre. En 2011, 1275 entreprises et institutions de partout au Québec, dont 80 dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, se sont impliquées dans cet effort collectif et ont convaincu plus de 52 000 citoyens à s'engager à poser des gestes pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En tout, grâce à ce travail de mobilisation, ce sont près de 60 000 tonnes de dioxyde de carbone qui ont été épargnées en 2011, soit l'équivalent d'environ 23,5 millions de litres d'essence. La 5e édition de la campagne se déroulera du 1er mai au 8 juin 2012 et les organisations qui souhaitent participer au Défi Climat peuvent s'inscrire en ligne dès maintenant à l'adresse apparaissant au bas de l'écran. Le Jour de la Terre, Québec lance officiellement son concours Porteur d'espoir 2012 qui vise à souligner l'accomplissement exceptionnel des citoyens québécois engagés en environnement. Le récipiendaire du titre Porteur d'espoir 2012 se verra remettre une bourse de 5 000 $, dont la moitié sera remise à l'organisation environnementale de son choix. La date limite pour soumettre sa candidature est le 8 avril 2012 et tous les détails sont disponibles à jourdelaterre.org. Le regroupement des femmes sera l'hôte d'un souper bénéfice offert par le service de la restauration du centre de formation CE Pouliot. Il s'agit d'un souper gastronomique 4 services et le coût de la carte d'entrée est de $37,50, incluant les taxes. Le souper aura lieu le 12 avril à 18h au centre de formation CE Pouliot, situé au 85 boulevard de Gaspé. Vous devez vous adresser au regroupement des femmes pour l'achat des cartes d'entrée en téléphonant au 88-368-1929 et en passant au bureau au 189 rue Jacques-Cartier à Gaspé. Merci de votre encouragement. Les Jours de la Jonquille arrivent à grands pas les 29 et 30 mars prochains. C'est l'occasion de poser un geste concret pour la lutte contre le cancer. Tous les fonds recueillis seront remis à la Société canadienne du cancer. Vous pourrez acheter vos jonquilles dans les points de vente suivants: Provigo Nadine Murray, Jean Coutu Gaspé, Carrefour Gaspé, Restaurant de la Place Jacques-Cartier, le Centre hospitalier dans les pavillons Hôtel-Dieu et Monseigneur Ross, le Manoir Saint-Augustin, le Cégep de la Gaspésie et des Îles, ainsi que la polyvalente CE Pouliot et l'École Saint-Rosaire. Pour toute autre question, contactez Mme Noëlla Ouellette au numéro ou à l'adresse apparaissant au bas de l'écran. Et maintenant, voyons ce qu'il y a de nouveau dans notre grande région. Le ministre Bachand a déposé le 20 mars dernier le budget pour l'année 2012-2013. Les parties du budget concernant particulièrement notre région visent notamment l'avancement de projets comme le plan Nord et un meilleur encadrement de l'extraction des hydrocarbures, ainsi qu'un accès plus facile pour les jeunes et les immigrants en bonifiant le crédit d'impôt pour les nouveaux diplômés qui s'installent en région de 8 000 à 10 000 $. Pour ce qui est du rayonnement de nos attraits touristiques, 85 millions seront consacrés à des projets novateurs visant à accroître la compétitivité et la performance touristique québécoise et un montant de 35 millions sur 2 ans sera accordé à la CEPAC pour qu'elle développe, préserve et mette en valeur les équipements et les territoires exceptionnels qui lui sont confiés. Sur le plan culturel, on note entre autres 60 millions qui seront offerts au Fonds du patrimoine culturel québécois pour soutenir la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission de notre patrimoine culturel.
Quant aux institutions muséales de la région du Québec, 11 millions y seront consacrés, un montant s'échelonnant sur 3 ans. Et finalement, pour appuyer le potentiel des régions, 164,5 millions de dollars seront investis pour la reconduction du Fonds de développement régional et la prolongation de l'appui additionnel aux centres locaux de développement. Certaines mesures seront également entreprises pour assurer une meilleure qualité de vie à nos aînés. Si vous désirez avoir plus de détails, je vous invite à aller visiter le site Web du ministère des Finances à l'adresse apparaissant à l'écran. Les citoyens de la Baie des Chaleurs devraient voir sous peu un service de sage-femme s'installer dans leur partie de la région. En effet, une étude de faisabilité effectuée il y a quelques mois concluait de façon favorable quant à la mise sur pied d'un tel service. C'est pourquoi le 20 mars dernier, un comité a officiellement été nommé par le conseil d'administration du Centre de santé et des services sociaux pour procéder à l'analyse de cette étude. Le collectif Accès sage-femme Baie des Chaleurs peut déjà compter sur l'appui de M. Yves Bolduc, ministre de la Santé, de l'Agence de santé ainsi que de M. Damien Arsenault, député de Bonaventure. Cependant, selon Marie-Josée Racine, porte-parole de ce collectif, certains médecins et infirmières du territoire sont un peu frileux. Oui, il y a une réticence qui s'explique peut-être par la peur du changement et de la reconnaissance du travail des sages-femmes. Ça implique des changements. Du côté de Gaspé, les activités vont bon train. D'ailleurs, une douzaine de femmes dénommées la Bande à Cyprine présenteront une pièce de théâtre à la mi-avril pour aider au financement du collectif Accès sage-femme de la côte de Gaspé. Nous recevrons une invitée la semaine prochaine pour nous en parler un peu plus longuement. Une autre bonne nouvelle pour la région, Québec investirait 17 millions de dollars sur 2 ans pour la réfection du réseau ferroviaire en arrêt depuis décembre dernier, étant donné son état précaire. Cette information a été tirée d'un accord de principe entre le ministère des Transports du Québec et la Société de chemin de fer de la Gaspésie le 24 février dernier. Cependant, certaines conditions devront être respectées par la SCFG pour recevoir l'appui du MTQ. En effet, celle-ci devra remettre un plan sur lequel seront énumérés les différents travaux qui devront être effectués pour la maintenance du chemin de fer et de ses structures pour 2013 et 2014. Ces travaux devront également être approuvés par le ministère du Transport du Québec avant d'être enclenchés. Il est à noter que cet investissement provincial est indépendant du gouvernement fédéral, donc ce montant sera remis avec ou sans la participation financière de ce dernier. Et maintenant, allons voir les nouvelles locales. Voici d'abord quelques images de la manifestation, contre la hausse des frais de scolarité qui a eu lieu la semaine dernière. C'est le 22 mars dernier que se rassemblaient étudiants, professeurs, travailleurs et citoyens au cégep de la Gaspésie et des Îles pour appuyer la manifestation nationale qui avait lieu simultanément à Montréal. Un peu plus de 200 personnes ont envahi les rues de Gaspé pour faire valoir leur point que l'éducation est un droit et non pas un luxe. L'Association générale étudiante du Cégep de la Gaspésie et des Îles s'est dite satisfaite du résultat et était contente de compter différents acteurs socio-économiques parmi les manifestants. À Montréal, plus de 200 000 personnes se sont mobilisées lors de cette journée, devenant ainsi la manifestation étudiante la plus importante de l'histoire. Et dans l'ensemble du Québec, on parle d'un total d'environ 300 000 manifestants. Selon les porte-paroles des diverses organisations, si le gouvernement ne réagit pas aux événements survenus un peu partout lors de la journée du 22 mars dernier, c'est qu'il n'est pas à l'écoute de sa population et n'est pas démocratique. Les étudiants avaient à voter le 26 mars dernier pour la poursuite ou non de la grève et ces derniers ont opté pour une grève illimitée jusqu'au 2 avril prochain où ils reconduiront leur vote. D'ailleurs, le cégep de la Gaspésie et des Îles vient d'ouvrir son deuxième tour pour les inscriptions d'automne. Au premier tour, 535 demandes ont été reçues, dont 267 pour le campus de Gaspé, 233 au secteur francophone et 34 au secteur anglophone. Ces chiffres correspondent à une légère hausse à Gaspé par rapport à l'an dernier, et cette hausse est également constatée au campus de Carleton. Cependant, des baisses sont notées au campus des Îles et à l'École des pêches de Grande-Rivière. Ces chiffres demeurent positifs pour Louis Bugeaud, directeur des études, puisqu'il y a une baisse de finissants au niveau secondaire qui est compensée par les étudiants internationaux ou provenant d'ailleurs au Québec.
Alors, pour les étudiants qui ne sont toujours pas inscrits au cégep ou qui n'ont pas été admis au premier tour, le deuxième est maintenant ouvert. Pour ce qui est du nouveau programme en archives médicales, 12 personnes ont été admises. Donc, il reste encore de la place. Visant de 15 à 20 inscriptions, le cégep devrait atteindre son objectif de fréquentation avec la poursuite des inscriptions. Si vous voulez voir Jean Charest et entendre parler du Plan Nord, c'est vendredi le 30 mars prochain que vous pourrez le faire. Cependant, l'invitation a été lancée seulement aux acteurs politiques et économiques de la région et ceux qui y assisteront devront débourser une somme de 50 $. La rencontre, dont le thème est « Événement Cap Nord, occasion d'affaires », aura lieu à l'Hôtel des commandants de 9h30 à 15h30. L'objectif est de faire connaître les projets pour le Plan Nord et parler de séances d'information portant sur le développement du secteur éolien dans le nord du Québec, le logement et les occasions de développement économique et des services alimentaires.